ça lui même agent et qui plante lui ça c'est un film Mango Baptiste qui nous gagne mais c'est un projet nous gagne nous appelle lancé là nous lancé projet ça depuis hier en fruitier de toute la frontière et faut que nous jouons c'est là nous garder nos pays à lui même pays à fin de gangoler pas gagne plus bois crête encore nous fin couper plus bois nous te gagne vous faire charbon et nous pied fruitier nous te gagne yo nous fin couper yo. Et nous même comme agent BESAP, nous avons responsabilité nous en main. Et nous avons Jean Faustin depuis Canada qui a une opportunité ça, pour nous lancer le projet. Ça. Mais nous avons des projets pour réussir. Il faut que c'est tout le monde qui mette les mains ensemble avec moi, ensemble avec Jean Faustin, pour nous réaliser. Parce que reboiser un pays, ça veut dire un paquet de bagages. Parce que le piment que ça va garder là, nous allons le planter. Il va l'utiliser toute la population haïtienne. C'est dans ce sens ça, on a reboisé toute frontière, non seulement frontière, toute l'île là. Et puis on a reboisé, après nous sommes dans la frontière, nous voyons dans le monde. Nous voyons dans la toile pour nous continuer le projet. Nous connaissons BESAP pour une initiative ça déjà. Dernièrement, nous avons tout l'argent, il a planté. Et, mais nous sommes ou même ou solo. Quelle différence qui gagne entre le projet ça qui est lancé en tout l'argent BESAP avec nous? Bon, différence qui gagne. Et agent BESAP nous-mêmes nous avons planté du bois, toutes sortes de pieds bois. Mais je tiens nous-mêmes, le projet par nous, c'est planter des fruitiers. Et côté qui va le donner pour tout le monde manger. C'est une initiative ça nous prend, la planter de Mango Baptiste, Jean-Marie, Cachemin, Doudous, Mango Francique. Et il faut que nous disions nous avons planté 150 pieds. Et je dis encore nous avons planté 150, après nous 300, et nous continuons à planter jusqu'à ce que nous finissions toute frontière avec. Pour nous capables de pour la population capable de pour manger. Par exemple, quand nous avons les gens chez Stress, c'est mango toujours sauver nous. Nous prenons mango, nous bouillons pour nous manger et nous jouons quelques mangos. Tout depuis nous mangeons mango nous-mêmes comme ici, nous capables de nous faire un là jusqu'à ce que nous jouons bagage pour nous mettre là-dedans. Et nous pas peur parce que nous connaissons là, même si c'est un savane et nous avons pile bête. Et comment nous pouvons gérer? Et planter pour comme si pour bête pas manger. Bonjour, ouais. Sur les bambou ça va. C'est les bambou ça nous voir utiliser nous utiliser yo dans sens avec toute et fil fer clou nous pas clôturer yo et nous gagne jeune garçon ça nous déjà en communication avec lui nous payer pour faire travail là la nuit comme la journée c'est toi l'autre dit pour arriver pour roser yo chaque matin, chaque midi, chaque après-midi et yo prend responsabilité yo. Qui là nous pouvons faire clôture avec le fer pour faire la même capable de continuer. Et nous payer des mondes pour user planter pour prendre soin yo. Mais et après combien de temps vous pensez nous avons un bon pied mango? Bon là, après un an là mon cher faut que nous dire va venir là pour l'autre bagaille. Mais est-ce que mango a bien prêt? Bon, nous pas dire que temps prêt bon pour nous utiliser si pas gagner yo parce que nous pas user faut que et dans 2-3 ans encore, pour nous commencer à manger mango. Ok. Eh bien, un message à Jean pour un monde qui t'a bon. Supporté le projet. Le message là, c'est qui ça? C'est aider Jean Faustin depuis le Canada, aider. Parce que c'est un projet, je suis capable de c'est Jean Faustin qui vient avec lui. Ce n'est pas moi-même qui ai pris l'initiative là, mais c'est moi comme en Haïti qui a dirigé. Si un monde a besoin de contact avec moi, je suis capable de taper 43 26 38 65 à ce téléphone moi. Et qui laisse à moi la possibilité d'avoir contact avec nous. Reboiser pays, c'est reboiser en Haïti. Et pour chaque monde qui vit à l'étranger, pour un monde pauvre qui vit en Haïti, ça permet que la vie population haïtienne, si nous avons reboisé pays, pour pouvoir faire charbon. Et nous-mêmes, comme agents, nous avons continué le travail, non seulement au niveau du canal, mais au niveau de tout pays, pour nous recommander. Si tout, la diaspora, je ne peux pas remercier vous. D'après ça, vous faites pour nous, comme agents BESAP, et nous remercions vous de ce qui. C'est eux qui patronnent nous, qui aident nous dans ce de bagages. Nous apprenons aussi pour eux à reboisement frontière. Une grande question pour encourager. Et BESAP, et ça a une mission BESAP pour essayer de protéger l'environnement. Ah, voilà. Et est-ce que ça a rentré dans la mission BESAP pour planter et puis bois? Oui, ça c'est mission par nous-mêmes. Et c'est ça que nous avons une initiative, ça, mon responsable. Mais ça, le gouvernement dit nous, ça, l'État dit. Bon, jusqu'à présent, l'État lui-même, il n'a pas dit nous rien, mais nous-mêmes, comme ce monde, nous prenons responsabilité nous en main pour nous faire travailler. Parce que le gouvernement est capable, il est capable,
Mais nous même comme agent, c'est nous qui sommes en gouvernement. Donc, la responsabilité nous pour nous travailler pour le pays. Merci. D'accord, c'est nous pour remercier.